Tout le monde est là. Pas de bobo. On s'en est bien sorti. T'y es pas allé un peu fort, là? J'ai suivi les plans de la bombe à la lettre. Je pense que c'est dû aux émanations de Mako. J'ai peur que la ville aussi ait subi des dégâts. Malheureusement, faut ce qu'il faut. C'est pour la planète. J'espère que ça la soulage. Oh, ça, j'en suis convaincue. Allez, sortons d'ici. On est bien au secteur 8? Presque, c'est un peu plus loin. Wedge, tu vas passer devant. Entendu. Il y a plein de câbles sectionnés. Faites attention. Ah, ça pue le métal rouillé par ici. J'ai hâte de respirer un peu d'air frais. Oh, sérieusement, ça chlingue grave, là. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Mais ça vient de moi. Faut dire que j'ai eu une bonne dose de sueur froide. J'en ai le ventre qui ballotte, là. Ça n'arrête pas d'exploser. Sortons avant que ça nous tombe dessus. Vu la densité de Mako, sans catalyseur, à moins qu'il y ait eu de la poudre. Jesse, on verra ça plus tard. Non, j'ai l'estomac qui arrête pas de gargouiller. Tu attendras qu'on rentre au QG. Eh ben la prochaine fois, j'apporterai un casse-croûte. Wedge, c'est encore loin? Non, on y est presque. On devrait pouvoir sortir par ici. Bien, reculez, je vais faire sauter les portes. J'ai hâte de retrouver Marlène. Moi, dès que je rentre, je me douche. Ça y est, c'est prêt. Bouchez-vous les oreilles! Allez, c'est bon, c'est ouvert. Moi, tout ce qui me gêne, je pulvérise. Bon, allons-y. À l'attention de la population. Ceci est un message du bureau de crise de la compagnie Shinra. Le réacteur Mako numéro 1 a été détruit par un attentat à la bombe non revendiqué. Les explosions secondaires continuent de se produire, entraînant de nombreux incendies. Le secteur 1 et le secteur 8 ont été déclarés zones sinistrées par les autorités. Les dégâts subis peuvent entraîner des effondrements de bâtiments ou des chutes de décombres et de bris de verre. Veuillez évacuer les lieux au plus vite. Oh non, c'est pas vrai. Alors là, je m'attendais pas à ça. On a un peu abusé, je crois. C'est un peu tard pour les regrets. Ouais, ça tu l'as dit. On n'a pas le temps pour les sentiments. On a encore plein d'autres réacteurs à faire péter. On n'a pas le choix si on veut sauver la planète. Je sais bien. Je me suis fait une raison quand on a commencé. Et on en est encore qu'au tout début. On s'est donné une mission. Celle de sauver le monde. Et pour y arriver, il va falloir faire des sacrifices. Mais je suis pas fou, vous savez. J'entends vos cris d'agonie à vous aussi. Vous en faites pas! Allez, mettez-moi tout sur le dos! Vos craintes? Vos doutes? Vos petits soucis? Sans oublier votre récompense. Tout ça, c'est ma responsabilité. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme on a prévu. On prend nos jambes à notre cou. On va prendre le dernier train à la gare du secteur 8.
On se retrouve tous au wagon de marchandises. Ok, à plus. Hey. Et l'argent que tu me dois? Quand on sera rentré au QG, après la mission. Je suppose que tu sais ce que c'est. Une matéria de soins. Oui, je connais. Je te la donne, pour te remercier de m'avoir sauvé. J'ai fait que mon travail. Rien de plus normal. J'insiste, s'il te plaît. Si je suis là maintenant, c'est uniquement grâce à toi. Ceux qui survivent sont soit les chanceux, soit les vainqueurs. Reste à savoir dans quelle catégorie tu es. Mais c'est tout fait. En tout cas, ça me servira. Tu sais comment ça s'utilise, j'espère. Tu m'as pris pour un débutant, c'est ça? N'attends pas de t'effondrer pour t'en servir. Et puis ça, c'est pour récompenser le petit nouveau de sa témérité. Ça devrait te donner des palpitations. Bon, on se retrouve au train ?
Ça se peut pas. Qu'est-ce que je viens de voir? Mort. Ah bon? C'est même moi qui t'ai tué! Tu penses bien que je ne l'ai pas oublié. C'est un moment important de notre passé commun. Écoute. J'ai un service à te demander. Cet astre est sur le point de s'éteindre. Sans un cri d'agonie. En silence. Tout doucement. Notre planète adorée va bientôt disparaître. Pour toujours. Si la planète meurt, ton village natal qui a si magnifiquement brûlé s'évanouira. Tout comme le souvenir de cette femme implorant qu'on épargne son fils. Et la sensation que j'ai eue en la transperçant de mon sabre. Mais je ne saurais perdre le lien qui nous unit. Il m'est encore plus précieux que ma propre vie. Aide-moi, Cloud. Prête-moi ta force. N'aie crainte, il n'y a rien de plus simple. Pars. Ne t'inquiète pas. Enfuis-toi. Tu dois survivre. Tu vas le payer! Voilà, c'est très bien. Ne t'avise pas de m'oublier. Je me suis trop approché de la Mako. Bon, allons-y. Thank you.
Surtout, restons vigilants. Je saurais protéger qui que ce soit. Cloud, je n'ai même pas sûr de toi. Est-ce que ça va? Dis, tu m'entends? Oui. C'est pour toi. Prends-la. Une fleur? Oui. Merci. Tu les as chassées. Alors je te dois bien ça. Mais de quoi est-ce que tu parles? Disons, pour marquer notre rencontre. Il manquait plus que ça. Je t'ai entendu, tu sais. Et c'est combien? Le prix est variable suivant le client. Dans ton cas... tu ne me dois rien. Tu sais ce qu'elle signifie? Retrouvaille. Je préfère t'avertir. Je sais très bien me défendre. Ok, j'en suis certaine. Et alors? Je ne me laisserai pas intimider. Ah! Tu crois que c'est un piège? Qu'une bande de gros bras t'attend dans l'autre rue? T'inquiète pas, je ferai jamais ça. C'est pas du tout mon genre. Un réacteur Mako a été détruit. Tu ferais mieux de vite retourner chez toi. Aide-moi! Lâche ton arme! Mais il ne les voit pas. À mon avis, on devrait se séparer. Pose ton épée par terre, lentement! Yeah!
déploiement. Maîtrisez-le!
n'échappera pas. Le quartier est ciblé et nous savons où il est. T'as intérêt à te rendre vivant. Tiens, cadeau. Dépêche-la.
suis inquiet pour Cloud. Pourquoi il nous a pas rejoint? Faites pas cette tête-là. Je parie qu'il s'en est tiré. Vous l'avez vu en action, il sait se battre. Faut bien le reconnaître, les soldats sont une classe à part. Ouais. Je pense qu'on devrait l'engager. Bougez pas. Je me suis fait du mauvais sang. Et qu'est-ce que tu foutais au juste, hein? Je suis tombé sur des brigades de sécurité, alors je les ai baladées. Ça m'a permis de les tenir à l'écart de la gare. Trop cool! Alors, tu vois qu'on peut compter sur lui? Oh. Au fait, y a un truc que j'aimerais vous demander. Quoi? Vous avez déjà vu des ennemis invisibles? Hein? Hein? Comme des spectres, drapés de manteaux de fumée. Du coup, ils sont visibles. Ils apparaissent d'un coup. C'est quand on les touche, à mon avis. Une nouvelle arme de la Shinra? Ah! Dis plutôt que la truie t'a donné des hallucinations. C'est bon, oublie. J'aurais pas dû vous demander. Allez, on change de wagon. Il y en a du monde ici. Surtout pour un wagon de fret. Il fallait bien évacuer les gens. Ça joue en notre faveur. On va se mêler à la foule. On se retrouve dans le wagon de tête avant d'arriver. Les horaires sont fortement perturbés en raison de la destruction du réacteur Mako numéro 1. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. J'ai bien fait de monter dans le wagon de marchandises. Les gens sont bien montés dans le wagon de marchandises. Je me suis trompé. J'aimerais te poser une question. Ça a un rapport avec le Wutai? Ah, qu'est-ce que tu me veux au juste? Dis-moi, comment est-ce que tu fais pour être toujours aussi calme? C'était pourtant chaud à la gare et dans le secteur 8. Tu vas finir par me laisser tranquille, oui? Moi, j'ai les jambes en coton. Quelle poisse. Tu finiras par t'y faire. Ça vaudrait mieux pour moi. Tu vas mais finir par me laisser pas, tranquille, fait. Oui. J'étais allée voir ma fille qui habite au secteur 8. J'aurais mieux fait de rester chez moi, au lieu de faire un tour sur le plateau. Cloud, j'ai besoin de toi. Ça va aussi. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Ça me perturbe de voir les dégâts subis dans le secteur 8. J'arrive pas à comprendre. T'as dit que c'était dû à des émanations de Mako. C'est pas ce qui s'est passé? C'est ce que j'ai cru au début. Mais les réacteurs doivent avoir un moyen d'empêcher ça. Tu parlais d'ennemis invisibles. C'est bien ce que t'as dit. Ouais. Mais non. Au lieu de chercher des excuses, je ferais mieux de réfléchir aux erreurs que j'ai pu commettre. C'est ça. Sinon, j'arriverai jamais à m'améliorer. Cloud, merci de m'avoir écouté. Comment on peut détruire un réacteur? Ces gens sont vraiment sans scrupules. Ça n'a pas encore été annoncé. Mais je pense qu'on connaît les responsables. Avalanche. C'est le groupuscule qui avait essayé d'assassiner notre président, c'est ça? Ils cherchent à nous racketter ou quoi? Hé hey, dites pas n'importe quoi. Vous savez pas que les gars d'Avalanche se battent pour sauver la planète? Mais qu'est-ce qui vous prend? Qui êtes-vous? Un honnête citoyen qui s'inquiète pour la planète. C'est ça, bien sûr. Chut! Arrête de le provoquer! Je crois que vous comprenez pas. Cette explosion est une mise en garde envers les vrais malfrats. Contre cette compagnie qui spolie la planète pour son propre compte. Mais vous devriez le savoir mieux que moi. C'est même clair que vous la connaissez bien. Nous sommes soudés, et nous ne céderons pas à la menace. Quoi qu'il arrive, nous continuerons à poursuivre nos idéaux. C'est comme ça que nous nous battons au sein de la Shinra. Exactement!
C'est ça, la mentalité Shinra. Tiens, vous m'avez quand même l'air bien stressé. Évidemment, nous travaillons pour vivre, nous aussi. Allons-nous-en. Oh. J'ai rien entendu du tout, moi. Tu parles. Mentalité Shinra, mon cul, ouais. Faut que je te parle d'un truc. Chaque fois que quelqu'un nous rejoint, je lui fais un topo avec cet écran. Je t'apprendrai probablement rien, mais c'est une sorte de formalité. Je te l'ai déjà dit avant. Je suis pas... Chut. Cette façon de contredire les autres nuit à ton charme. Tiens, regarde. C'est une représentation en 3D de la ville de Midgar. On peut y voir l'immense plateau de béton armé qui est suspendu à 300 mètres au-dessus du sol, ainsi que les beaux quartiers qui ont été bâtis dessus. La consommation d'énergie Mako a transformé les habitants qui résident là-haut en véritables monstres pollueurs. Attention, nous arrivons à la zone de contrôle d'identité. Ça, c'est le trajet que suit notre train. La ligne décrit une spirale autour de l'énorme pilier principal. Tu vois ? Maintenant, on est pile à mi-chemin. La zone de contrôle d'identité se trouve ici. Il est impossible d'y échapper. Date de naissance, permis de résidence, antécédents... La Shinra peut tout savoir sur nous en vérifiant dans ses bases de données. On nous dit que c'est pour maintenir l'ordre public. Tiens, voilà. Oh. T'inquiète, j'ai falsifié nos identités. Je suis plutôt douée pour ces trucs-là. On sera bientôt sur la terre ferme. Ça te réjouit pas? Regarde ça. À cause de cette pourriture de plateau, les pauvres gens qui habitent en bas sont obligés de vivre un enfer. Tout ça, c'est parce que la Shinra extrait la Mako. Le sol s'appauvrit, l'air est pollué, et plus rien ne pousse. Il pourrait très bien partir d'ici. Hein? Moi, j'hésite pas à briser mes attaches. C'est facile à dire pour quelqu'un qui est fort et indépendant comme toi. Mais pense aux autres. Les plus faibles ont besoin de combattants aguerris de ta trempe. En fait, les gens sont comme ce train. Ils ne font que suivre les rails de leur destin. T'inquiète, je vais bien. Tu n'es pas blessé? Ah, ça me rassure. Victoire! Ouais! On est tous sains et saufs. Ça, c'est une mission réussie. C'est un bon début. Un grand pas pour sauver la planète. Ouais! Du calme! Faites gaffe à ce que vous dites. On n'est pas tout seul. Oh merde! Je vous donne quartier libre jusqu'à la prochaine mission. Profitez-en pour vous en mettre plein la panse. On se voit au QG. T'as déjà oublié? C'est dans notre bar, le 7e ciel. Tifa nous y attend, alors va vite la rassurer. J'aimerais bien manger un goût, décidément. On peut vraiment voir des fantômes. Cette nuit, je te laisse pas.
Hein? Il n'y aura plus aucun train pour aujourd'hui. Viens. Un endroit plutôt. C'est quoi le point commun entre un réacteur Mako? Je peux vous aider? Ouais, suite à l'explosion du réacteur numéro 1 L'incendie était vraiment super impressionnant. La Shinra pense que c'est une organisation agréable. Toutes ces inégalités entre ici et... Oui. Il y avait des gardes partout. Ils patrouillaient à la recherche des criminels. Le réacteur Mako était venu... Dans le secteur 8, la rue était bloquée par des décombres. La Mako est le sang de la planète. Bla, bla, bla. On a beau arracher ces affiches, elles reviennent tout de suite. Ils se font un peu trop de films à mon goût. Mais en tout cas, ils sont persévérants. C'est pourtant magnifique, cette structure. C'est presque de l'art. Hey, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? T'es intoxiqué à la Mako? Couvert de poussière et de suie. Et en plus, je suis complètement crevé. J'ai vraiment hâte de prendre une douche. Moi, attention, prolifération de créatures dangereuses à cause d'une défaillance du portail. Je n'ai rien à faire par là. Demi-tour. C'est normal, non? Ça fait au moins 5 ans. Bon, faut que je parle à Barrette. Ok, vas-y, entre. Il y a un réacteur Mako qui a explosé. Il parle que de ça à la télé. Marlène, t'en fais pas. Papa va rester avec toi ce soir. On va éteindre la télé et on va aller faire dodo. Je dois finir de ranger. Et si t'allais jouer avec Marlène? Moi? Oui, bien sûr. Pour ta récompense, vois ça avec Tifa. C'est elle qui tient les comptes. Bordel! Hein? Qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi elle a eu peur comme ça? Je fais comme tu m'as dit, je parle pas aux inconnus. Ah, t'as bien raison, ma fille. Et je vois que t'as pas oublié la promesse que t'as faite à papa. Allez, c'est l'heure du dodo. Hein? On va gentiment se mettre en pyjama. Non, je veux parler un peu avec toi avant.
C'est bien parce que t'as été sage. Ah, au fait, tu veux manger un truc? Non, je voudrais toucher ma paye. Oui, c'est vrai. À ce propos, Cloud, tu veux pas aller parler dehors? Si, papa. Les gens qui sont morts, ils sont retournés à la planète? Oui. Hein? J'ai quelque chose à te proposer d'abord. Comme tu viens d'arriver, je t'ai trouvé un appartement. C'est pas très loin d'ici. Ça te dirait d'y habiter quelque temps? La propriétaire soutient volontiers nos activités. Le loyer est gratuit. Ouais, ça m'arrangerait. Viens, suis-moi. Alors, comment c'était là-haut? À vrai dire, c'était le chaos. Tu m'étonnes. Excuse-moi de t'avoir mêlé à tout ça. On aurait dit la fin du monde. J'aurais dû un peu plus réfléchir au risque. Pas la peine de t'inquiéter pour moi. J'ai l'habitude. Au fait, tu t'es fait draguer par un homme. Et je comprends votre haine pour la Shinra. Non ? Oh là là, n'en parle pas. Il faut que je fasse quelque chose, mais je sais pas. Tu ne t'es pas disputé avec Barrett et les autres ? Non. Mais je saurais pas te dire ce qu'ils ont pensé de moi. C'est où ? Je vois. J'étais un peu inquiète. Parce que t'étais très bagarreur autrefois. Ouais, c'est possible. Les images du secteur 8 étaient impressionnantes. On aurait dit un film catastrophe. Les infos sont contrôlées par la Shinra. Ces types n'hésitent pas à déformer les faits. Vous voyez qu'ils vont attaquer le secteur 7. Alors, tout ça, ils ont exagéré les dégâts. Non. Ah, je vois. C'est ici. La résidence vue céleste. L'appart est en haut. Pour info, j'habite dans l'appartement 201. Mais comme je suis presque toujours au bar, c'est juste pour dormir. Et je n'ai même pas pris le temps de décorer. C'est l'appartement 202 qui est libre. J'ai pris les devants et j'ai déjà parlé de toi à la propriétaire. T'as dit quoi? Ça t'inquiète? J'ai dit que j'avais un ami d'enfance qui cherchait un endroit où se loger, c'est tout. J'aurais pas dû. Si, c'est bon. Et là? Ah, là... Il est un peu tard, alors on fera les présentations demain. Pas le grand luxe, mais ça te fait quand même au moins un endroit où dormir. S'il te faut autre chose, dis-le-moi. Ouais, j'ai besoin d'argent. Vous m'aviez promis 2000 guilds. Pour ton premier boulot de mercenaire avec nous, j'aurais préféré pouvoir te donner tout d'un coup, mais... Quoi, c'est tout? La mission nous a causé pas mal de dépenses. Il n'y a plus d'argent dans les caisses d'Avalanche. Mais faut pas t'inquiéter, je vais en collecter demain. Je pourrai te payer tout ce qu'on te doit. T'auras vraiment tout l'argent? Tu peux m'accompagner pour t'en assurer. Ah, mais... si tu faisais ça, faudrait que je te paie un supplément. Non, ça va. Je me contenterai de 2000 guilds, comme convenu. Ce qui veut dire que tu me devras que 1500. Affaire conclue. Bon, on se voit demain au bar. Je te remercie encore pour tout. Repose-toi bien. Ça vient du 203. Hé hey, tout va bien? Je vais ouvrir.
203. Il est malade. Ça fait un moment. Je dois veiller sur lui de temps en temps, à la demande de la propriétaire. C'est un peu de temps pour m'aider. Ouais. Tiens donc, j'imagine que tu es le fameux Cloud. Hein? Je suis Marle, la propriétaire. Alors, tu es arrivé hier soir? Tu vivais sur le plateau? C'est compliqué. Tu as des secrets. Après tout, c'est le cas de tous les gens qui atterrissent ici. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me le dire. Même au sujet de Tifa. Tifa a des ennuis? Non, c'est juste que je ne veux pas qu'on lui en cause. Tu vois, je la considère un peu comme ma petite fille. D'accord, je vois. Allez, dépêche-toi donc d'aller au 7e ciel. Tifa est partie travailler depuis un bon bout de temps. Allez, arrête de rêvasser. Dépêche-toi plutôt d'aller au 7e ciel. La milice a dit qu'elle allait renforcer ses patrouilles. Recherche de collaborateurs en cours. C'est le type dont parlait Wedge. Recherche de collaborateurs en cours. Je serai sans pitié avec les malfaiteurs. Les enfants nous disent souvent qu'on est des héros pour eux. Hein? Avec tous ces gens qui ont... Recherche de collaborateurs en cours. Son épée est énorme. Elle vend ses services. Son épée est énorme. Recherche de collaborateurs en cours. À cause de l'arrêt des trains, on risque de manquer de nourriture. C'est pourquoi ? Je serai sans pitié avec vous. Qu'est-ce qui fait que si on veut se marier, faut... Qu'est-ce qui se conserve bien comme aliment? Hein? Donne-moi un rose. Ce soir, j'irai bien manger au 7e ciel, tiens. Salut. Salut. Marlène est en train de dormir. Il n'y a pas de bruit. Bon, t'es prêt à aller au boulot? Il faut distribuer de nouveaux filtres aux gens. C'est Jessie qui les a créés. Ce sont des filtres assainissants universels. Ils retirent même la mauvaise odeur de l'eau. Un vrai succès. Pour tout dire, ils nous rapportent bien plus d'argent que le bar. La plupart des gens du quartier utilisent ces filtres. On leur apporte ceux de rechange et on récupère l'argent ainsi que les filtres usés. Il n'y a rien de plus simple comme boulot. Tu m'écoutes? Ah, c'est pas vraiment ce que je pensais. S'il n'y a pas besoin de se battre, ça ne me concerne pas. Il y a aussi des gens qui refusent de nous payer. Mais... Oh. Tu peux les persuader? Bon, ben, allons vite régler ça. Merci beaucoup. Je vais en profiter pour te faire visiter. Ouais? T'auras qu'à garder l'argent qu'on va récupérer. Comme tu viens de t'installer, t'en auras sûrement besoin. Merci. S'il n'y a pas assez pour te payer, je te donnerai le reste plus tard. Barrett est aussi en train de rassembler des fonds. Si je peux avoir tout aujourd'hui, pas de problème.
vu le monde qui a... Haricots aux épices, spécialité du bidon. Il a vraiment peur de rien.